Arak Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dead Rock Galactic, un jeu que je viens télécharger, alors je risque de me bafouiller un peu, parce qu'en fait, je tourne à la suite des autres vidéos, comme la vidéo annonce du live. Des 4 jeux quoi que normalement vous avez choisi, et cette vidéo sortira jeudi pour 15h30 normalement. Donc je viens de télécharger ce jeu, je sais pas du tout ce qui en coûte. Je l'ai eu gratuitement grâce au Game Pass à la Xbox. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Donc déjà on va regarder un peu le menu, on va faire un peu le topo tout ça. Je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait. J'ai pas regardé, je vais voir déjà si il est bien. Donc on va se lancer sur ça et c'est parti. Pressé pour continuer. Alors A, danger, darkness, driver. Alors apparemment on joue des nains, à ce que j'ai compris. Alors attendez, parce qu'il y a anglais. Il y a anglais, Dirk, Danish, chinois. Il y a toutes les langues apparemment. Est-ce qu'on peut trouver le français s'il vous plaît? C'est là qu'il y a le French. Écran. Quoi? Écran de démarrage. Écran de démarrage. Hop, bon, on va peut-être prendre la langue française, hein, quand même, qui est à notre niveau, hein. Donc il y a toutes les langues apparemment, ça c'est plutôt cool, un jeu où il y a toutes les langues. Donc j'ai regardé un peu le truc, c'est un RPG, vous jouez un troll, ou je sais pas trop quoi, un robot, un truc comme ça. Donc galactique bien sûr, donc on va être dans l'espace. Donc on va voir ça, apparemment on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais peut-être baisser un peu le son du jeu, voilà. Voilà, toc. Ok, donc on arrive déjà directement là, on arrive directement dans le vif du sujet. Apparemment le jeu est pas mal, ok, on peut sauter. Ok. On peut plus. Je ne sais pas trop quoi. B pour machiner. On a les grenades. Ok. Est-ce qu'on peut interagir? Ok. Ok, d'accord. Ok, ok. D'accord. Commençons par la base. Suivez uniquement les instructions. Serait miné d'élite. Ok, alors j'imagine. Ah, ok. Caverne, vous pouvez permanent B. Ah ouais. Alors bon, ça a l'air un peu à la Minecraft, j'ai l'impression. Ah, c'est très stylé, c'est très beau. Par contre, excusez-moi, mais il n'y avait pas un vaisseau il y a 5 minutes là. D'accord, le vaisseau s'est barré. Ok, ok. Ok. Ok, donc on peut. A fait peur le machin, je me demandais ce qui se passait. Maintien pour la pioche est capable de casser des. Ok. J'imagine que. Ok, donc déjà. Ok.
Alors déjà, quand je vois des toiles d'araignée, j'imagine que... Ok, alors j'imagine qu'il y a un taux de zone en fait où vous pouvez balancer les trucs. Alors je fais un peu le tour s'il y a peut-être... non, il n'y a pas l'air d'y avoir... pas l'air d'y avoir grand-chose là. Alors est-ce qu'il va pouvoir passer au moins le machin là? Ok, on peut recharger avec ça, avec X. Ok, donc voyons voir. Alors, faut chercher. Alors, la mana, ce que je vois. Ok, il est là-bas, le machin. Utilise le franchement là, utilise. Ok. Ah, wesh. Ok. Ouais. Comment on fait? Ah. Oh, c'est quoi ça? C'est des trucs de soins, ok. Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup, pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être pas mal. Ah, attendez, c'est quoi ça? Quoi ça? Pas de l'or ça? A l'air d'être de l'or. Ok. Ok, alors il faut sauter apparemment. Il faut sauter en même temps. Ok, d'accord. Le truc, il va pouvoir monter? Ah bah. Oui, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, alors attendez. Option. Ok. Tutoriel. Ah ben ça. Restaurer la sauvegarde. Ok. Note des mises à jour. Minerai. Ok. Bien démarrer. Combat. Ok. Très joli en tout cas. Cristal bleu. Ah. Ah, pour savoir, donc avec herbe LB. À cette heure-là, faut dire. Roche commun, ok. On voit le machin, j'avais pas vu, mais on voit le machin qui marche derrière nous. Il y a le petit robot qui nous suit. C'est par contre c'est intéressant comme jeu. Si clairement c'est bon, j'espère qu'il y a quand même un peu plus de... Je sais pas s'il faudra repasser par là. Ok. Ok, d'accord. C'est bizarre quand même qu'on ait un flingue et puis qu'il est... Ok. J'imagine c'est quand on met la foreuse qu'il y a des monstres. Oh, en tout cas, c'est magnifique. Ça.
Ah ouais, d'accord. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais je le récupère. Votre inventaire est plein. Ok. Comment? Ah ouais. Ok, d'accord. Alert! Defense barriers have been breached. We have a horde of enemies heading in your direction. It was a pleasure meeting you. C'est magnifique en tout cas. Perfect timing. I was getting a bit bored. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi ces trucs là? Mais c'est horrible! Au secours! C'est quoi ces choses-là? On peut pas courir. Faut se barrer ou quoi? Quand même les bestioles là dans le coin là. Ok, appuyez pour. Ok, d'accord. Ah oui. On peut voir la map. Ouais, c'est bien ce que j'avais. Je suis à la manette. Hein, je suis sur Xbox, donc vous avez donc le jeu est aussi sur sur PC. On peut jouer avec la manette. Par contre là, ok, d'accord, ça c'est quand il est chargé, ok. Par contre l'inventaire, comment on fait? Option, contrôle, ok. Ok, d'accord. Alors on peut jouer en duo, hein. On peut jouer avec des amis. Le jeu est. Bah, c'est ce qui est marqué, hein, c'est ce qui est marqué. Donc, le jeu est marqué en duo. C'est quoi ces bestioles là? C'est quoi ces choses là? Temps, ok. Bon, j'imagine que il faut aller tout droit ou on peut aller voir en bas. Bon, déjà on peut courir, ça c'est cool. Quoi ça? Ah merde! Pas mal. Ah, c'est pas marqué. Hey! Je sais pas si c'était une bonne idée de passer par là-bas en fait.
Pas très bonne idée. Ah, j'imagine qu'il faut aller au bout, de toute façon. Je pense pas qu'il nous aurait fait. Punaise. En tout cas, c'est intéressant comme jeu. J'espère qu'on pourra visiter quand même un peu mieux. Putain, c'est géant en fait. Ah, par contre, ouais, mais je suis avant terre plein donc. Appuie sur Y pour appeler la mue pour. Ah! Oh! D'accord. Ouais, mais comment on fait? D'accord. Ah, intéressant. Ah, panne de jus. Bon, pour un tuto plutôt long, je trouve. Plutôt long, plutôt agréable comme jeu. Pas chiant. Alors après, je dis pas chiant. Je dis pas chiant, peut-être que dans quelques temps, ça sera peut-être des trucs qui seront beaucoup plus difficiles. Donc, je dis pour le moment. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est plutôt agréable à jouer. Je sais pas ce qui rapporte après, si on peut se faire une base ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que. Boom. Ok, d'accord. C'est quand même pratique, hein, ça, quand même. Parce que vous imaginez, pendant une vidéo, tu tombes dans le noir comme ça. Bah. Ah ouais, d'accord. Ok. Et en fait... Ah ouais. Tu joues comme ça, vous. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je suis sur tout le chemin. Hein. Alors attendez, on va quand même balancer quelques lumières quand même pour vous. On est bientôt à la capsule. Ok. Donc en fait, ouais, faut remplir le... Ouais, d'accord. Par contre, c'est marrant parce que le truc, c'est qu'il y a toujours les machins. Ok, d'accord. Extraction. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Ok, il faut jouer le mineur. Le mineur avec des dangers. Ok. Résultat de mission terminé. Ok. Voyons voir. Ok. D'accord. Score. Ok. On a des morts. On a des guérisons. Ok. Bonus de danger total plus 50. Objectif principal, ok. Objectif secondaire, ok. Minerai extrait par l'équipe, ok. Ennemi tué par l'équipe, 36. D'accord, ouais, tout est marqué en fait, avec un gain de niveau, ça c'est plutôt sympa.
C'est plutôt cool. Alors j'espère qu'on va pouvoir quand même se faire son nain, parce que quand même, même si le jeu est porté sur les nains et je pense qu'il a déjà un scénario bien attribué. Non, je pense qu'on a déjà. On a déjà un bleu barbe. Ok. Félicitations mineurs, vous êtes rejoints à Deck Rock Galactique. Bienvenue à bord, installez-vous. Prenez vos repères, puis. Laisse-moi finir, Buffion. Bonjour mineur, nous sommes à la fois en plein. Communauté de bonne ambiance et de fantastiques retours. Nous continuerons à recevoir de vous en guise de remerciement. Nous te remercions de continuer. Ok, d'accord. Donc ouais, en fait, je pense qu'au fil du temps, ouais, d'accord, il y a la plateforme spatiale, ok. Donc j'imagine qu'au fil du temps, en fait, déjà vous gagnez de niveau parce que il y a un niveau qui est juste au-dessus. Barbe bleue. Alors barbe bleue, pourquoi? Je sais pas. Alors est-ce qu'on peut interagir avec quelque chose? Appuyez sur pour terminal. Ok, d'accord. Alors on a plusieurs trucs. On a plusieurs. En tant que foreur, vous êtes équipé de deux foreuses titans. Ah ouais. En fait, il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs petits trucs. Ingénieur. Là, vous avez le soldat. Donc j'imagine que ça, c'est quand vous êtes. Comme je vous ai dit, on peut jouer à plusieurs. Donc j'imagine qu'on peut jouer au minimum à 4. Et puis comme ça, un bah, fait le mineur, l'autre fait le soda, l'autre machin. Et ça, c'est plutôt pratique. Et pour ceux qui. Ouais. Ça c'est pas mal. Soldat, ouais. School, soldat, ingénieur, foreur. Donc ouais, en fait, c'est vraiment bien fait. Vous avez les missions. Donc mission terminée 1. Mission en duo terminée 0. Ah, je pense on peut être que à 2. Mais c'est bizarre parce que j'ai 4 icônes. Donc je pense qu'on peut être à plus que 2. Je pense qu'on peut être à plusieurs. Mais au minimum, pour ceux qui veulent jouer. Travail du reste déterminé, ok. Je sais pas si on peut interagir. Donc pour le moment on peut rien interagir. Les portes s'ouvrent automatiquement, ok. Il y a des petits machins. Accéder à la garde-robe, ok. Ok, donc ouais, ok, d'accord. En fait, je pense qu'on pourra. Je pense qu'au fil du temps, vous gagnez des trucs. Vous gagnez des trucs et je pense que activer les terminales. Ok, voyons voir. Ok, donc j'imagine qu'on pourra s'améliorer. Alors là, on peut pas interagir, mais au milieu, on peut interagir. Donc voyons voir. D'accord, ok. A, B, C, ok. Donc j'imagine qu'au fil du temps, vous pouvez avec les minerais. Putain, je l'aurais dit hein, au fil du temps. Je pense qu'avec les minerais, vous pouvez vous améliorer. Donc déjà vos armes, déjà on a pas mal de choses. On a les pioches. Ouais, donc il y a vraiment pas mal de petites choses à. Il y a vraiment pas mal de petites choses à regarder, machin. Je pense que la tenue aussi, on pourra l'améliorer. Modification du drone. Ah, on a un drone. Ah oui, d'accord, quand vous montez le drone, vous pouvez l'améliorer. Ok, alors là, par exemple. Mais j'ai pas de monnaie. Ah si, c'est les C. Ok, quand vous revenez de. Ah ok, ah c'est pas mal ça. Pas mal, pas mal. Ok, donc pour le moment, bah, j'ai pas de drone. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on peut pas interagir. Alors, à part activer le terminal. Ok, B, ok. Objectif conquérir 1. Ok, alors bon, pour le moment je sais pas trop. Donc là c'est l'ouverture de carte. Donc j'imagine que c'est là que vous choisissez la mission. Ok, sélectionner. Ok, donc ouais. C'est tout à fait ça. Donc j'imagine qu'au fil du temps vous pouvez avancer. Ça c'est plutôt cool. J'espère qu'il soit pas coincé en fait. Que ça soit pas un jeu en fait. Ok, il y a des trucs qui peuvent être sympas. Là vous pouvez acheter des trucs. Acheter des sourcils, vous pouvez acheter que des couleurs, ok, vous pouvez acheter des plastrons,
Ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment sympa en fait. Ça a l'air quand même assez rempli. Jadis, ok. Jadis, ok. 19%. Appuyez sur le terminal B. Terminal verrouillé. Déverrouiller le commerce. Ah, c'est pour commercer. Ah, c'est pas mal ça. Ok, d'accord. Wow, mais c'est super grand en fait. C'est super grand. Ok, là on a quoi? Commande de terminal. Bien que les boissons plus légères. Ok. Non, c'est des. C'est un petit bar, on va dire. Wow, c'est chaud! Pour quand tu sais pas quoi faire. Ah, ça accélère en fait. On dirait de l'essence. On dirait qu'on fait le plein. Ah, c'est intéressant. C'est quoi ça? Réinitialiser le compteur. Ok, d'accord. Et ça te met. Ah ouais, d'accord. Donc le nombre de points et ceux que tu te loupes. Ok. Sympa. Sympa le jeu. On peut s'asseoir, non? Ok. Joker. Ah, jukebox. Ah, ça c'est pas mal ça pour mettre de la musique quand vous êtes à plusieurs. C'est vrai que si vous êtes à plusieurs, ça peut être intéressant. Donc là, vous avez la machine en question qui vous accompagne pendant votre exploration. Plongée à obscur. Ok, donc là c'est fermé. Donc j'imagine qu'on va pouvoir aussi améliorer notre machine quand même. J'ai l'impression qu'on peut monter. Alors attendez. Il est là. Salaud. Mince. On peut tout balancer. Putain. C'est bon, j'ai réussi à monter là cette fois-ci. Ok, d'accord. Bodeur, ok. Donc en fait, il fait allusion au jeu, en fait, je pense. Ok, d'accord. Là, okay, là, on est surtout dans les conduits. Ok, là, il y a la grosse machine. Ouais, mais c'est géant, mais c'est un vaisseau, c'est. Ok, d'accord. Sympa la pièce, sympa. Par contre, faut pas être paumé, quoi. Faut pas être paumé. Ok, d'accord. Oh bon, bah ok. Oh, bah, pas mal, petit. Pas mal comme petit jeu. Bah, je pense que je vais continuer, moi. De mon côté. Je continue de mon côté. Voyons voir si on prend des dégâts. Non, on prend pas de dégâts de chute. Ok. Je continue de mon côté. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos dessus ou je ferai peut-être un live dessus. Je verrai quand j'aurai bien avancé. En tout cas, le jeu a l'air superbement bien fait. Ouais, il a l'air superbement bien fait. Donc, on est vraiment dans l'espace. Donc, n'hésitez pas à passer une bonne fin de journée. Cette vidéo, normalement, sortira dans les coups de 16h, normalement, voire avant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous trouvez.